Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une morning routine. Alors, généralement, le réveil, c'est 6h du matin ou 7h du matin, tout dépend de mon agenda et des rendez-vous et des tâches à faire de la journée. Alors, comme vous avez pu voir sur la vidéo, je dors les fenêtres ouvertes parce que je dors mieux. Avant de débuter ma journée, je commence d'abord par aérer ma chambre et aérer mon lit. Donc c'est ce que je fais tous les matins quand je me lève. Donc c'est super important de ne pas sauter cette étape. On passe à la salle de bain. Donc la salle de bain, je commence d'abord par mon skincare routine du matin. Mais je débute d'abord avec mes pilules contraceptives à ne pas oublier tous les matins. Et après je passe au visage. Donc je rince bien mon visage avec du savon Marseille. Je le nettoie bien et ensuite je vais passer aux soins. Dites-moi si vous êtes plutôt la team du matin ou du soir pour prendre la douche. Donc moi je préfère prendre mon bain ou ma douche le soir quand j'ai passé une longue journée pour pouvoir mieux dormir du coup la nuit et être propre. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est un super booster. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en gros un sérum anti-âge à base d'huile que j'aime beaucoup. Ça fait 2-3 ans que je l'utilise déjà. C'est de la marque Elisa Jones. Donc ce sérum, ce qui est bien, c'est que c'est à base d'huile. Donc vous avez un peu de vitamine E à l'intérieur et l'UV protectrice. Si vous souhaitez tester du coup le sérum ou la gamme, vous les retrouvez directement sur internet. Mais sur internet, les tarifs sont un peu plus élevés, vous êtes à 30€. Alors qu'en magasin, chez Action, vous les avez à 2,99€. Donc si vous voulez vraiment tester la gamme Elisa Jones pour tout ce qui est sérum et soins du visage, je vous conseille fortement d'aller chez Action. Alors toujours pour le visage, j'utilise un deuxième sérum. Donc c'est un sérum à base de collagène pour le visage et le cou. C'est un anti-ride qui permet d'hydrater, il illumine et réduit les signes d'âge. Ensuite, j'utilise une lotion après piercing de chez Klairs. Donc comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, je me suis fait percer les oreilles. Et du coup, il est important de nettoyer au moins 3 fois par jour tous mes piercings, du coup le devant et le derrière. Ensuite, pour l'étape des yeux, c'est très simple. Tous les matins et les soirs, je mets des gouttes. Donc j'utilise ou de l'Artelac qui est sous ordonnance, qui me permet en gros de bien hydrater mes yeux et pour éviter que ça irrite. Ou sinon, j'utilise du sérum physiologique. Donc voilà, les deux produits, mais c'est matin et soir. Regardez-moi ce beau lever de soleil. C'est pour ça que j'adore me lever tôt, c'est pour regarder le lever de soleil qui illumine vraiment tout mon appartement. C'est trop beau. Et on attaque la matinée avec des shots de gingembre. Donc c'est ou gingembre ou actimel. Donc tout dépend de mon mood. J'aime bien changer de temps en temps. Je les complète avec mes gélules. Donc là je prends beaucoup de gélules de compléments alimentaires. Bien sûr je suis allée voir des médecins, j'ai fait des prises de sang avant de passer au surdosage, j'ai envie de dire. Complément alimentaire, mais ça c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis en manque de fer, je suis en manque de vitamines, j'ai pas de collagène, j'ai pas de magnésium, donc en fait c'est pour ça que je suis obligée de passer sur l'étape complément alimentaire, surtout que je m'alimente, on va dire, un peu mal. Donc voilà pourquoi j'ai fait toute une collection de compléments alimentaires que j'ai acheté chez Action. Oui, parce que vous avez une gamme chez Action sportive et une gamme, tout ce qui va être gélules, compléments alimentaires, vitamines et autres. Donc je vous conseille d'aller chez Action pour aller au moins tester ces produits-là. Ils fonctionnent super bien, ça fait déjà plus d'un an que je les utilise. Et je les complète avec les gélules Anacaps Réactive. Donc ce sont des gélules pour les cheveux et les ongles. Du coup, le matin, je me pose la question, est-ce que je prends un cappuccino, un longo ou un expresso? Tant que j'ai mon café le matin, je vais passer une très bonne matinée.
Le matin, j'ai un peu du mal à manger, mais je me force quand même à prendre 2-3 petits trucs. Donc c'est où je prends des fruits avec du jus d'orange, ou sinon je prends des cafés avec des petits gâteaux, des tartines. Mais c'est super important de bien se nourrir et bien manger le matin pour être bien productive et avoir de la force le matin. Sinon après vous allez manger vraiment en décalé. Enfin, j'aime pas. Vraiment, j'aime bien débuter ma bonne matinée, donc il faut se forcer à bien prendre le petit déjeuner le matin. Il faut pas louper cette étape-là. Alors généralement je prends mon déjeuner au balcon quand il fait soleil, il fait super beau, sinon c'est à l'intérieur et je me pose tranquillement et je regarde, je réponds à tous mes messages sur Messenger, sur Facebook, sur WhatsApp, sur SMS, sur Instagram, je regarde un peu les actus. Au pays, coûte que coûte, il ne quittera pas son pays, mais ta famille et toi, pour essayer de survivre, tu prends la décision de partir. T'es obligé de dire au revoir à ton grand frère. Par contre, t'as pas le temps, faut que tu choisisses un pays. Tu vois que tes frères et ta mère choisissent les États-Unis, mais que ton mari, sa mère, ses frères et sœurs choisissent d'aller en France. Ensuite, je débarrasse rapidement parce que j'aime pas traîner et je me mets à faire la vaisselle le matin. Oui, parce que je déteste quand les choses traînent, parce qu'après il y a une accumulation de vaisselle et moi je déteste ça. Mais voilà, au moins vous avez toute une journée nickel, l'appartement est nickel, parce qu'il faut savoir que la vaisselle je le fais le matin et le soir, comme ça le lendemain quand je me réveille, tout est propre, tout est nickel, tout est bien rangé pour débuter une bonne journée. Faites votre lit afin de ne pas être tenté de vous y remettre. Oui, quand vous laissez aérer votre chambre, vos draps, votre lit, n'oubliez pas de repasser derrière pour faire votre lit. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, donc je ne sais pas comment vous faites pour débuter votre journée sans passer par cette étape-là. voilà, je suis team carré, team rangement, tu fais ton lit, voilà. Du coup, je vous explique en gros ce que je fais de mes journées, enfin surtout de ma matinée. Je regarde directement ce que je dois faire en priorité. En fait, je note toujours sur mon tableau. Donc ça, c'est un tableau que j'ai acheté chez Ikea. Donc j'ai depuis un moment. Et en gros, c'est un tableau à roulettes. Je suis obligée de cacher là, je suis désolée, c'est pour mon projet. Je fais 1m80. Et sur le feutrine, en fait, tout ce que je mets, ce sont des objectifs, un mood board et un vision board. Pour mes objectifs à atteindre, il me permet de voir un peu plus loin. Je mets des idées, des choses qui m'inspirent. Donc là, on a un tableau aimanté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis noté une petite liste, en gros, des produits ou des articles à acheter. Oh là, je me suis fait une petite liste des courses. Bon, ça, c'est un petit truc à part. Ici, j'ai mis un petit post-it pour les anniversaires. Alors, je l'ai déjà mis de base sur mon calendrier. Toute cette partie-là, c'est les choses à faire. Je peux avoir des rendez-vous pour la banque, rendez-vous pour... les travaux pour mon appartement, rendez-vous, tatouage. Vous voyez, je note vraiment créer une entreprise commerciale URSSAF pour ma prochaine entreprise. Faire le document juridique, bah, du coup, je l'ai noté deux fois. Vous voyez, maintenant que je suis en train de voir avec vous. Donc voilà, préparer la valise pour aller en Allemagne. Il faut que j'aille faire du kayak, il faut que j'aille à Paris. Donc vraiment, c'est vraiment des petits trucs, des mémos. Tout ce que je pense dans ma tête, bah, du coup, je le note directement sur le tableau. Ensuite, dans cette partie-là, ça va être la partie vidéo YouTube.
De temps en temps, ça m'arrive de noter Instagram, et Instagram, c'est plus instantané, donc du coup, je le fais directement ou je note sur mon téléphone. Mais là, pour les vidéos YouTube, en gros, ce sont des idées de vidéos YouTube que je dois faire. Toutes les semaines, je suis en train de filmer H24 et puis je publie sur YouTube. Enfin, depuis le mois de mai, je travaille sur un projet. Et en gros, ce sont des idées de projets que j'aimerais faire. Donc du coup, je le note pour éviter d'oublier, et ce sont des penses bêtes. Pour plus tard, donc je le note ici, des business plans. Là, ça change constamment, de toute façon, je passe mon temps à réécrire, à effacer. Oh là, je travaille plusieurs carnets, donc là, le premier carnet, c'est un carnet qui me permet de noter, donc c'est une to-do list, première intercalaire en fait. Ici je note la to-do list, donc là vraiment c'est toutes les choses à faire. Ensuite j'ai un onglet ici, des choses à acheter, et pareil là j'ai tout ce qui est business, travail. Donc là c'est pour mon business plan, des suivis, des réunions, des formations, de l'apprentissage, l'exécution. En gros c'est vraiment, j'ai envie de dire, de la discipline. En gros ce que je fais tous les jours, c'est vraiment de la discipline. Ensuite en dessous on a tout ce qui est modèle, mannequin, Instagram et YouTube. Donc. Et je note aussi mes rendez-vous que je fais en visio ou par mail. Les rendez-vous écrits ou autres, je note toujours le lieu de rendez-vous, l'heure. Quel est le motif, est-ce que mon contrat de mannequin modèle y vient un jour, regarde s'il n'y a pas des choses à modifier. Là ce que je vais faire, c'est regarder mon compte YouTube pour voir si tout est à jour, donc c'est à dire est-ce que j'ai bien activé tout ce qui a besoin d'être activé, et en même temps je vais regarder mon compte AdSense. Et voilà, donc déjà je vais faire ça, je m'occupe de YouTube parce que ça va être plus rapide YouTube en fait. C'est horrible, c'est une gourde, les voisins doivent me prendre pour une ouf, je suis en train de parler toute seule à une caméra. En fait j'ai acheté cette gourde là sur, je sais plus si c'est Temu ou Shein, bref, AliExpress, Temu, Shein, de toute façon ça se voit partout. En fait c'est une gourde qui est, vous avez différentes tailles, bon, moi j'ai pris la taille XXL. Sirop, un petit peu de sirop de citron, juste un chouïa. Bon, là j'ai du citron jaune et du lime, donc du citron vert. En fait moi le but c'est qu'il faut que je me force à boire de l'eau toute la journée, en gros, en continu toute la journée. Après le soir, ça dépend, le soir généralement j'ai tendance à sortir, à boire beaucoup, mais là j'essaie de diminuer un peu l'alcool. Vous avez vu le beau soleil qu'il y a? Alors il fait un peu frais dehors, donc c'est pour ça que je suis habillée comme ça, hein. De base on est en été, mais... Oups. Au maximum, tac, voilà. Je vais couper. Voilà. Je vais mettre carrément le citron dedans. Hop, voilà. Je vais juste rajouter un peu de citron vert. Voilà. Donc le matin, c'est toujours le même procédé, j'ai ma session YouTube, donc je travaille sur tout ce qui va être publication, création, prise de... enfin répondre aux commentaires, prévoir, en fait faire un listing. Et une fois que j'ai terminé la session YouTube, je suis sur la session business en ligne. Donc je l'appelle business en ligne parce que je ne dis pas encore pour le moment ce que je fais. Donc peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur ce sujet-là, mais pour le moment je suis en phase de création, d'exécution et de formation.
Du matin, je suis un peu nerveuse et stressée, du coup, je me mordis les lèvres. Je mets du Carmex, là. En fait, je suis tellement nerveuse que je me bouffe la peau. Je suis en train de partir un peu en cacahuète, là, les gens. Je préparais du coup mon repas de ce midi. Excusez-moi, je suis un peu... Hey, mais c'est un délire ce qui se passe. En ce moment, il y a des gens qui arrêtent pas de sonner chez moi. C'est trop chelou ce qui se passe. Enfin bref, j'ai pas envie de parler de ça. On va laisser tomber. Mais c'est trop bizarre. Il y a des trucs trop bizarres qui se passent. Donc là, déjà, ce que je vais faire... Là, j'ai sorti les petites boulettes qui étaient congelées. Donc c'est les boulettes de bœuf. Après, j'ai la sauce pesto, donc alors je prends souvent cette marque là parce qu'ils ont plusieurs sauces. Là je prends la sauce rosso, elle est vraiment trop bonne. Là je prépare l'os pasta, j'ai envie de spaghetti, en ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie de fromage, spaghetti et tout, j'ai envie de manger comme une grosse. Nickel. C'est juste parce que j'ai les yeux fracassés, mais genre fracassés. Enfin... C'est celui-ci, sauf que je l'ai toujours pas. Donc
Donc on va mettre ces nouveaux potes là ici et celui-ci. Il est 12h30. Il est 12h30. J'ai une tête, mais alors laisse tomber. Je vais peut-être aller me promener, prendre l'air pour la digestion. Je vais me mettre à faire le montage de la vidéo et je vais finir du coup ma formation et mon business en ligne. Comme ça au moins ça sera fait. Et je suis en train de me dire, est-ce que je n'irai pas... On est quel jour aujourd'hui? Et on est mardi. Je me tâte quand même à aller... en banque. Je crois qu'aujourd'hui je vais aller quand même à la banque. Voilà ma morning routine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne et à activer la cloche de notification, c'est très important. Comme ça vous serez informé quand je vais publier une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur mes deux comptes Instagram parce que c'est là où je publie le plus souvent. Donc généralement c'est tous les jours que je publie sur le compte Instagram. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!